Ouais, yo. On est là, hein. Tête dans le cul de ouf, en vrai. En vrai, tête dans le cul de ouf. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ça, c'est bon. En fait, faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça manuellement. Alors, faut que je le retrouve. Parce que mon téléphone, il charge, donc. Donc Twitter, faut utiliser la version PC. Tu. Voilà. J'avais oublié que j'avais mis que la chaîne était destinée à public adulte. Bof. Je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais let's go, quoi. Let's go, let's go. Bon. Ouais, ce soir un peu de Cyberpunk et peut-être du CSGO un peu plus tard, mais comme j'ai l'air d'y avoir personne et le reste, il taffe sur d'autres trucs, peut-être à être abordé, ce qui me dérange pas, parce que moi je joue à Cyberpunk et je suis bien, quoi. On est là, hein. Allez, let's go, je lance ce jeu. Ce jeu de mort. Donc là, c'est parti. Là, par contre, j'ai l'œil droit qui est flingué là. Pas la bonne nouvelle, ça. C'est pas la bonne nouvelle. Allez, lance-toi. Putain, c'est tellement chiant qu'on doit attendre 46 ans là au début avec attention, risque d'épilepsie, machin. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Ah oui, du coup, vu qu'on a fini l'intro, enfin on a fini le premier truc, ça a changé ici. Tiens, pourquoi est-ce que ça ralentit quand je passe là? Est-ce que c'est juste par rapport aux récompenses, genre... Si c'est le cas, c'est nul, parce que je devrais faire en sorte que ça ralentisse autrement. Bon. Charger une sauvegarde. Bah, let's go. Let's go, quoi. Ah ouais mec, tu regardes tout ça dans le meilleur ordre possible, frérot. Porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle, bienvenue dans l'émission. Bonjour Ziggy, merci de m'avoir invité. Bon, moi, elle nous parlera plus de son putain de coup de gira, l'autre connasse, mais ça c'est une autre histoire. Bon, résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. On a fait une énorme mission d'histoire principale. Ça c'est notre crâne qu'on a tabassé contre, hein, bien évidemment. Sympa qu'ils aient laissé d'ailleurs pour les détails. Mais ouais, on a attaqué Arasaka qui est la plus grosse corpo actuelle. On s'est fait casser la gueule, c'était complicado. Jackie est mort dans l'affaire et T-Bug aussi. Oh, j'avoue qu'on a un charisme. Hein. Donc du coup, il s'est passé beaucoup de trucs, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Attends, c'est quoi ça? Compte à rebours, et c'est reparti, réinitialisation. Ok. Et du coup, on est retourné à notre appartement et on nous a annoncé que on a Keanu Reeves dans le crâne et que ben Keanu Reeves, il va tranquillement effacer notre personnalité pour se copier à la place, quoi. Sauf qu'il le fait pas de façon consciente, parce que c'est une copie de son vrai lui et de son engramme, bref, que le PDG d'Arasaka a fait, ce petit bâtard, Saburo. Et que dire d'autre, que dire d'autre? Et bah du coup maintenant, Takemura nous a donné rendez-vous, Takemura qui était le garde du corps de Saburo, nous a dit bon frérot, c'est la merde pour absolument tout le monde, mais fais pas le con et viens me rendre visite à un bar random, je sais plus c'est où. Et du coup bah on a dit bah ok, parce que tu m'as sauvé la vie, mais fais pas le malin non plus frérot. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à raconter, c'est tout ce qu'on a fait en global. Pantalon du Rinobu, on a la veste. Bandage. Nice, ça. Oh, on va le ranger, ça aussi. J'ai pas envie de le décraft par erreur. Ce serait un peu con, quoi. Inventaire, c'est bon, j'ai augmenté jusqu'à 280 mon stack. Bon, ça, c'est moins bien. Ça, c'est dégueulasse. Ça, j'aime bien. Ouais, je vais la garder. Veste de l'école du loup, mais je l'ai pas du tout jetée.
Ah mais non, mais c'est la veste du Maelstrom que j'ai rangée. Bon. Veste de l'école du loup. Okay, j'ai eu peur de l'avoir, d'avoir fait un problème. Non mais c'est trop chiant de ces jeux quand il y a des trucs uniques. Tu peux les désenchanter ou les détruire aussi facilement que le reste. Et à tout moment, tu perds tout quoi. Et t'as juste le seum d'être une merde. Un peu vénère, j'admets. Est-ce que j'ai d'autres trucs à décraft là? Ah, peut-être ça. Ça là-dedans. Ouais, ça, on s'en bat les couilles. Non, pas non plus. Pantalon, peut-être. Oh, oui, on en a des trucs à décraft ici. Hein. Ok, tout ce qui est gris, ça va se décraft sec. Hein. Allez, hop, ça dégage. Hein. Pourquoi j'ai autant de. Je suis aussi lourd. Pourquoi je suis aussi lourd? Je pense que je dois avoir une tripotée d'armes, c'est un délire. D'accord, mais tout est mieux en fait. Ça c'est mieux. Les baskets sont meilleures aussi. Mais j'admets que niveau style, on n'est pas là. Hein. Niveau style, c'est une catastrophe. Enfin, je préfère des boots. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme chaussure qui fait mieux? Attends, celle-ci. Je pense que celle-ci, ça passe. C'est un peu too much. Hein. C'est quelque peu too much. Hein. Ça m'énerve. Bon allez, on va prendre ça, Nick. C'est quand même mieux que les vieilles baskets, là. Ouais, bon, c'est ici, en fait, que c'est à cause de ça que je suis lourd. Ok, ça va. C'est noté. Hein. Calmez-vous. C'est toutes les armes qu'on a récupérées à Arasaka, ça. Et on a rencontré un des meilleurs persos du jeu, Dolamain, bien évidemment, le chauffeur de taxi IA qui me régale. Quand même garder les trucs épiques là. Parce que ça régale. Hein. Et est-ce qu'en lame j'ai récupéré beaucoup de trucs? J'ai récupéré ça, on peut le jeter. Hein. Et il me semble qu'on est bon quoi, on est parti. Ah, niveau 3 en fabrication, ça c'est un plaisir. Réduit le coût de la fabrication de 5%. Nice. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Carte. Je pense qu'on a débloqué v'là les trucs maintenant. Ouais, on a débloqué tellement de trucs, un délire. Allez voir Wakako pour obtenir votre récompense. Ok, ouais, tout s'est déclenché maintenant. Récupérez votre voiture au parking. Et... Jean Takemura, ou Jean Takemura. Pourquoi c'est que Takemura ici? Je vais péter un câble. Let's go. On va récupérer notre voiture au parking. Ah! Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. Il est mort paisiblement dans son sommeil d'une balle dans le cul. Hein. C'est. Oui, une défaillance d'un plan. Hein. On a fait le start corp, on sait ce que ça veut dire, hein. Vous inquiétez pas. Bon, il serait peut-être temps d'aller récupérer notre foutue caisse. Allez, let's go. Oula! Johnny, t'as vu ce qui s'est passé? Petite grosse pute. Sans blague. Je parle pas de l'accident, mais de la fuite. Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville se tire comme ça après un accident? En t'ayant traité de grosse pute. Oh, ça me régale. Ah ouais, il a bien niqué en plus, hein. Ouais. Veuillez accepter mes excuses. Ouais, c'est ça, ouais. Putain, bah on a plus de caisse, hein. On a plus de caisse, ça me dégoûte, hein. Comment ça, qu'est-ce que t'as, toi? Ah, ça y est, mon dieu, non. Ça y est, ils vont commencer à tous nous renvoyer, leur envoyer des messages en mode « J'ai une bagnole pour toi, je vous déteste, hein. » Bon, de toute façon, on n'a pas le choix d'aller s'acheter un véhicule ou alors de trouver un truc parce que... Bah, c'est chaud, quoi, on n'a plus rien, hein. On n'a plus de véhicule, hein, on est à pied, hein. Si je veux appeler une voiture, il n'y a plus possible, hein. Tu coach de vie, non. De la main, non. Evelyn Parker, Regina Jones, non. Meredith Stout, Popol en feu, coach Fred, Wakako, Takemura. Je cherche... J'ai pas le numéro de la mère de Jackie, hein. Ah, c'est vrai qu'on peut faire ça.
J'avais oublié. Oh, ça marche le pas encore. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas en service. Veuillez laisser un message. Jackie, je... C'est débile. Non, on peut rien dire pour l'instant. Intéressant, intéressant. Parce que je savais qu'on pouvait faire ça, mais... Bon, alors, c'est pas tout, mais... Carte. C'est cool d'aller chez de la main, mais... Putain, je voulais faire ça aussi. Fais chier. C'est ça que je trouvais pas sur la map, ça m'énerve. Allez-vous-en, vous êtes beaucoup, là. Vous êtes beaucoup. Je vais passer à travers, mais ça, on ne le dira pas. Attends, mais eux, c'est de la police ou... Ouais, patrouilleur. Je me demande si je peux les découper. Genre, c'est gratos. Genre, si c'est dangereux... Attaquer la police. Coup de katana. Faudrait que je mette mes points d'XP aussi. On va faire ça. Calmez-vous avec les bouteilles, là. T'es un malade, Bernard. On va mettre les points d'XP maintenant. Capacité technique. Je veux voir aussi si je peux crafter pour mon... Comment ça s'appelle? Mon katana. Le Satori, voilà. Techniquement, il manque beaucoup de choses. Hein. Et la liqueur de noir. Hein. Ah, mais il manque voilà les composants, en fait. Ça casse les couilles. Quel enfer! Ah, on peut améliorer comme ça. Putain, je savais pas, moi. C'est intéressant, ça. Hein. C'est très, très intéressant. Ok. À retenir. Lame. Worm de poing. Qu'est-ce que je peux prendre? Qu'est-ce qui m'intéresserait, en vrai? Beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la relique, c'est bugué, d'accord. Faisons comme ça. Piratage rapide. Déverrouille un démon sommeil qui désactive toutes les caméras du réseau pendant 3 minutes. Ouh. Manque le temps de piratage. Encore en vie? Bien sûr, pourquoi je serais pas en vie? Pourquoi je serais mort? Sinon, qu'on va tuer, on ravisse. C'est une bonne journée. Ouh, c'est bien ça. Pupu time ce soir. C'est possible. Bon, moi ça va tranquille. Hein. Ils avaient dit. Enfin, Pierre voulait faire du CS ce soir, mais tout le monde lui a dit c'est sur foutre. C'est faux. Personne n'a répondu par moi et Dutch. Mais Dutch a répondu en mode. Frérot, je comprends pas. Mais comment dire. J'ai dit que je jouais à Cyberpunk jusqu'à genre 22h30 à peu près, et si jamais ils sont là, ben ils ont qu'à envoyer un message, un DM, un truc, et on joue à 16 quoi. Parce que bon, Pierre il est en train d'écrire un truc pour un futur JDR qu'on fera quoi, entre potes, donc il a dit qu'il arrive après, et les autres n'ont pas répondu comme d'habitude, donc les questions quoi. Bon, moi j'aimerais bien savoir ce que je vais prendre. Débrouille les plans de fabrication, piratage rapide, un peu court, ok. Mais ça m'intéresse pas beaucoup. Fabrication ou ingénierie? Bon, ingénierie, je m'en bats un peu les couilles. Hein. Par contre, le ninjutsu là. On va rendre un petit point ninjutsu pour voir ce qu'on débloque là. Oh, c'est bien ça. Un fiche 15% de dégâts supplémentaires aux ennemis, bah à quel moment je voudrais pas ça? C'est cracax. Voilà. Piou. Ouais, taper l'ascenseur, je suis pas sûr que le proprio il apprécie, mais on s'en bat les couilles. S'en fout. Taisez-vous. T'as les télés qui s'auto-réparent instant. C'est une dinguerie. BD quoi? BD Shack. Turbo. Oh, la boutique Turbo, incroyable.
incroyable. Oh, ça y est, je suis arrivé. C'est pas trop tôt. Elle est où, le sentier? Elle est là. Ça fait au moins une... Ouais, alors attends, d'abord on va sauvegarder, toi, parce que je sais, bah, comme je suis un joueur aux manettes, ça va être quelque peu compliqué ta mission. Bon, ça fait un bail. Je croyais que t'avais mis les voiles. Oh, j'avais pris une balle dans la tête, hein. Pas facile de quitter Night City sinon. On quitte pas Night City aussi facilement. Mais ferme ta gueule, toi, là-bas. C'est ouais, un peu comme une relation toxique, pas vrai? Eh, hey, j'aurais besoin de me renflouer un peu. Tu veux pas jeter un œil à mon stock? Qu'est-ce que t'as? Vas-y, montre-moi ce que t'as. Il me coûte zéro, c'est le mien. Oh, et je peux lui acheter des composants, OMG. Et un flingue légendaire Unity, ainsi qu'une batte de baseball légendaire. Oh, il a du matos, hein, le boug. Hein. Le boug, il sait y faire. Qu'est-ce que j'aimerais acheter, moi? Qu'est-ce que j'aimerais lui vendre? C'est mes composés, en vrai, que j'aimerais bien lui vendre. Mais je sais pas où ils sont. Où sont mes composés? Ils sont pas genre là, quelque part? Ah, ils doivent être là, regardez, il y a le bleu, là. Faut le gris, là. Faut les trucs chiants, là. Faut les trucs nuls. Bordel, où c'est? Je vais péter un câble. Je vous jure, je vais trouver un. Normalement, j'en ai 1000, là. Ils sont où, bordel de merde? Ça me rend ouf. Bon, écoute, tu sais quoi? On s'en bat les couilles. Bon, en fait, non, c'est bon. J'avais juste à récupérer mon flingue. Pour rejoindre Takemura, là. On va dire bonjour à Takemura, là. On va faire un petit peu d'histoire avant de faire du secondaire. Attends, j'ai reçu d'autres messages, là. Oh, ah bah voilà, c'est ça que je cherchais. V, faut qu'on parle réponse, s'il te plaît. Ah, la mère de Jackie. Oh, faut qu'on appelle la mère de Jackie. Mission mise à jour, le pistolet. Comment ça, mission mise à jour? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque encore? S'occuper en attendant que la caisse soit réparée. Ok. Non, mais je voulais voir ça, moi. Mise au point, c'est pour de la main. Et pourquoi est-ce que quand je regarde les autres missions, ça me baise? Bon, appelez Mama Wells, on va faire ça. Bon, pas, finalement, Takemura, il peut aller se faire foutre. Il peut aller se faire foutre. Nous. Bon, autant le faire maintenant, en vrai, tant qu'on est dans l'ascenseur. Elle est où? Là. La mère de Jackie. Hey, c'est bon de t'entendre. Cabron. Certains moments qu'on n'a pas discuté depuis la mort de Jackie. Alors, comment ça va? Depuis la mort de ton fils. Comment vous allez? À ton avis, mon fils est mort. Oui, question rhétorique, quoi. J'accroche comme je peux. Et les condoléances, bien évidemment. J'appelais pour vous présenter mes condoléances. Me présenter tes condoléances. Ouais, je vais faire en surbulir. Tu vivais sous notre toit. Et au moins la décence de ne pas me traiter comme une étrangère. Ça va, ça va. J'ai préparé une ofrenda pour mon Jaquito. On ne peut pas le laisser partir sans un adieu digne de ce nom. La cérémonie se passera au Coyote Corro. Presque tous ses amis seront là. Je suis sûr aussi, t'inquiète. Hein. N'en dites pas plus, Mama Wells. Je viendrai. Je n'en ai pas douté une seconde. Are you sure about that? A-I-T-V-O-V. Ouais, plus tard, plus tard. Bon, on va quand même rejoindre... Ah, mais Takemura, il est à 2 mètres, en fait. Bon, bah, go faire Takemura. Ça va, mec? Une coupe qui n'est plus d'actualité. Je dis ça, hein, c'est quand même... des dizaines d'années plus loin. Bon. Le voilà. Oh, le petit, il a des implants cybernétiques aux yeux. Ouais, plus jeunesse. Hein. Salut. Je t'en prie. Bon, il m'a certes repêché, mais... Il n'a pas l'air si dangereux. Mal en point. Hein, c'est rigolo, en ça. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Ouais, bonjour, non? Pourquoi tu m'as aidé, au fait? J'avais besoin de toi en vie. Oh, le mec avec son burger derrière.
C'est pour la biopuce. C'est pour ça que je suis là. On m'a dit qu'elle était irréparable. Oh putain. Toute tentative d'extraction serait catastrophique. Tu en mourrais. Oh, cet accent japonais, il est fabuleux. Hein. Peu de gens seraient arrivés à faire ce qu'il a fait. Tu lui dois beaucoup. Et sinon, pourquoi qu'est-ce que je foute là hein? Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Pour commencer, tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Evelyn? Quel droit? Pourquoi elle t'intéresse? Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Oui, bon, c'était un peu spécial. Elle hein. doit connaître ses points faibles. Il payait une dame, quoi. Ça me fait penser que moi aussi, j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. Ou pas. Tu l'as cherchée, du coup. Pourquoi tu penses qu'elle a quitté la ville? J'ai tenté de la localiser. Sans succès. Je la soupçonne d'avoir couvert ses traces. Oui, après, t'es peut-être juste mauvais. Tu as dit que Parker pourrait t'aider à retirer la relique. Est-ce qu'elle travaille pour une corporation? Je pense pas, non. Non, je pense pas. Est-ce que tu pourrais développer? Un corpo aura beau s'asperger de parfum au petit déjeuner, il finira toujours par puer l'escroquerie avant midi. Tout ce comme que toi, j'ai senti chez Evelyn, c'est sa détermination. Alors, moi aussi, je pue l'escroquerie? D'une certaine façon. Non, toi tu commences à puer, tout court. Bon. Désolé de pas avoir pu t'aider. J'ai pas de temps à perdre. Mais, attends. J'ai besoin de toi. Yorinobu Arasaka doit répondre du meurtre de son père. Bon, ça m'intéresse pas trop, ça. Je veux faire justice à Night City. Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Et toi, tu crois qu'ils vont se fier au témoignage d'une merc? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. De plus, je ne connais personne d'autre. Et je suis un fugitif. Je connais et personne d'autre. J'ai pas d'amis. Et si, ouais, si je dis non, en vrai. Et si je dis non? Alors je te dirai ce que je t'offre en échange de ton aide. Ouais, c'est faire, il m'a pas menacé. Let's go. Alors quoi? On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier? Qu'il a assassiné Saburo, son propre père? Il y aura une audience avec des personnes raisonnables, en terrain neutre. Certaines procédures seront mises en place pour établir la vérité. Un détecteur de mensonges? Non, merci. Non, merci. Très bien. Alors, résumons la situation. Tu es mourante. Tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est vrai. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Je connais ta pas faux. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. Oh, le cerisier! C'est... Pardon, je t'écoutais politique. Pas. Quel genre de personne? Et de quel genre de personne on parle exactement? Celle qui constitue le cœur d'Arasaka. Celle dont l'intérêt est la croissance stable de la corporation. Alors quoi? Tu parles de personne comme Anders Hellman? Je sais plus qui c'est. Des lui personnes déjà. Comme Anders Hellman, tu veux dire? Comment connais-tu ce nom? Oh, c'est le travail. Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Ah. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman a fui Arasaka. C'est un traître. Ah. Oh. Les news? La sœur de Yorinobu. Alors, Anako-sama, je voudrais d'abord vous demander... Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Hey, j'étais en train d'écouter. Je m'en fous. Tu te feras jamais faire cramer. Ça intéresse la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit? Calme-toi. T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Heureusement que ta copine est plus futée que toi. Comment ça, ta copine? Peu de respect. Takemura, c'est le boy, mais quand même. Viens se rencontrer.
Oh, il vient de péter. J'adore la comédie. S'il y a bien un truc qu'on veut éviter, c'est de se faire remarquer. Désolé. C'était un réflexe stupide. Ah ouais. Faut penser à... Réfléchir par soi-même, Takemura. Hein. Sinon, tu vas te faire flinguer un vieux revendeur de Met au fond de l'URL. Ça va être terrible. Hein. J'ai besoin d'y réfléchir. Je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Si tu m'aides, tu as beaucoup à gagner. Menteur. Tout ce que je demande, c'est que tu ne quittes pas la ville. Quitter la ville ? Pourquoi faire ? J'ai besoin d'aide et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. Non mais ça, c'est parce que t'es étriqué, en fait, c'est d'esprit... On vient juste d'en mentionner. Bon, t'as sa chance avec Evelyn Parker, hein, tous les jours. Hein. Avec un peu de chance, je retrouverai Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, elle ne pourra pas le faire maintenant. Elle était à un endroit dans la ville, et moi j'étais en plein tour d'Arasaka, ayant fait une sacrée chute. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien, mais les voleurs n'en ont pas. Ça va hein. Va dire ça à Yorinobu Arasaka. Oh, ça c'est cette femme une belle balle, hein. Ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Quoi, tu veux parler d'Elman? Anders Elman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Et si pour ça je dois encore me friter avec Arasaka, eh ben je me gênerai pas. Elman a fui la société. Bah pour une raison. J'ai essayé de le retrouver pendant des jours. Il... Comment on dit dans votre langue? Il s'est... Comment on dit chez vous? Volatilisé. Pour aller où? Il a fui? Pour aller où? Une autre corpo l'a débauché? Autant que je sache, il a agi seul. C'est un homme consciencieux. Et il a pris soin de bien couvrir ses traces. Tu m'étonnes. De là où il a pu aller. Avec les jappes qu'il a au cul, frérot, il va mourir s'il fait pas ça. Eh ben, t'as pas chômé ces derniers temps. Je ne vais pas rester les bras croisés, alors que j'ai des informations à rassembler et des actions à planifier. Ça va, ouais, ça va. Tu fais ton job, quoi. Mon ancien job. Oh, ça va, le héros d'animé là qui regarde vers le futur en mode ah, j'ai pas réussi à sauver Konoha, t'es une trou de cul. Bon alors. Pourquoi on devrait trouver Jackie? Ça va, ta gueule. Ah, je déteste ça. C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux et pourrait être un témoin capital. Et tu sais toujours pas pourquoi il a fui la société? Ça me semble évident. Yorinobu, il a buté son père, c'est le chef. Bah, du coup. J'ai rassemblé des informations. Du coup, le frérot, il doit fuir parce que Yorinobu, il va le décapiter. Un club appelé Lafta Life. Ah. J'ai vite été congédié par leur. Reine des Fixas, Rogue. Rogue. Ouais, c'est comme ça, quoi. Elle t'a flairé un peu. Hein. Elle t'a pris pour un costard? Non, elle m'a pris pour l'assassin de Saburo-sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Elman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile, hors de prix et grossière. Ça, c'est pas ça, c'est parce que tu travailles dans les bureaux, frérot, t'y connais rien. Ah, rue Ombravis. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Ouais, ils vont te casser la gueule sinon. Retrouve Park, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles. Allez, adios, boy. Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Lui et moi, on a un compte à régler. Si tu veux. Pouah, date ass. Oh, salut Johnny. Crasse et ravioles à réchauffer. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. On est potes maintenant. Tu sais que t'es gonflé. D'abord, t'essayes de me buter et maintenant, tu veux qu'on soit potes? Genre, tout va bien? Je crois qu'on se fait un peu mater. Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu c'est fait si mal regarder. J'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Ah bah comme ça. Va te faire foutre, sale con. Ça fait 20 heures qu'ils sont sur son burger, lui. C'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut.
Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. On pourrait déjà aller voir Rogue. Elle et moi, ça fait une éternité qu'on se connaît. Et je te fais pas vraiment confiance, frérot. On vient de se rencontrer. Hein. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi je te ferai confiance, s'il te plaît ? J'en ai rien à foutre que tu me fasses confiance ou pas. Niveau problème, incroyable. On a plus grave, là. Ouais, c'est bon, allez. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi. Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Okay, c'est vrai qu'il a son cocktail à l'Afterlife. Hein. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Ah, la poésie, hein. La poésie, on adore ça. Dégueu. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'Afterlife. Y'a pas de nous, frérot. Y'a pas de nous. Pas encore, du moins. Ben voilà. Ça, c'est une quête qui se finit bien. Oh, oh là, attends, c'est qui me parle, là? Merci pour l'info, mais qu'est-ce qu'il me raconte, là? Shumbata. Ah, que tu te fais un... c'est Daisy. J'avais le look de caisse de matos, ça te dirait, hein? Saturne. Tiens. Truc à te proposer, machin. Ok, merci pour l'info, je vais voir ça. Ah, c'est pour les apparts! Oh, c'est pour les apparts, let's go! Est-ce qu'il y a des nouveaux apparts depuis les certaines mises à jour qui sont sorties? J'avais vu ça, et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai petit plaisir. Bon! Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Que j'ai encore un message là? Robert Wilson, qu'est-ce qu'il me veut lui? On peut envoyer un petit message à Evelyn. Message n'a pas pu être envoyé. Et elle répond pas là, Jacqueline. Oh, on va appeler la vraie waifu. Rap. Quel plaisir. C'est toi? Ouais, d'abord, t'inquiète. Moi qui te croyais morte. Oh, c'est un peu le cas. T'es pas la seule à avoir pensé ça. Moi aussi, j'ai cru. Oh, mais c'est des copies cool. Oh, le rose skin. Ah, c'est parti en cours. Oh, le rose skin. Y'a eu des imprévus. Oh, encore le rose skin. Vas-y, ça commence à faire beaucoup. Hein. Sinon, t'es au courant? J'imagine que t'es au courant pour le casse. T'as dû parler à Evelyn. J'ai pas eu besoin. Toute la ville est au courant. Ah, merde. Oula, oula, je vais pas aller par là, moi. J'ai besoin de parler à Evelyn. Écoute, je dois trouver Evelyn. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Ah. Est-ce que tu sais où elle est? T'es sourde ou quoi? Ouais, un peu. Laisse tomber. Je le répéterai pas. Ça va, t'es la seule piste que j'ai aussi. Judy, t'es mon seul espoir. J'ai pas d'autre piste. Je dois la retrouver. Et je sais que tu peux m'aider. Et pourquoi je le ferai? Parce que t'es cool. On peut se voir. Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lidzis? Elle m'a raccroché au nez. T'as bien Roskin du gosse, 4, y'en a... Oh putain, y'en a encore un là, effectivement. Non, bah... Ok, ils ont deux modèles de gosse, ou ça se passe comment, là? Gars, y'en a un là, un qui vient de passer, un qui est encore plus loin. Je sais plus où il est. 2 Roskin du premier gosse, 3 Roskin du premier gosse. Ah, bah c'est une catastrophe. Du 5 au second. Mon dieu. Bon, j'ai toujours pas de caisse, moi, c'est une catastrophe. Pas moyen de s'acheter une caisse là quelque part. Elle a mis où Regina là? Faut que je récupère son message là. Elle est où? Ah voilà. Ouvrir les messages. Voiture à vendre. Bon, faut que je trouve la caisse. Normalement elle est sur la map, il me semble. Sur secondaire. Où est-ce qu'elle l'avance, sa bagnole? Dites-moi où est-ce qu'elle se vend, cette bagnole de mort. C'est pas une des quêtes, là, normalement? Où est-ce qu'on peut acheter des bagnoles, là? Ça a changé depuis? Je comprends plus. Véhicule en vente. 13 000. Bon, on aura assez. Carte, c'est où?
Ah, c'est comme ça, d'accord, ça a changé. Bon, en attendant. Oh, j'ai pas assez de force, je suis faible. Par contre, ça, j'ai la force. Allez, vous-en. Salut. Ouais, merci, hein. C'est un plaisir. On va changer de caméra. Tout va pour le mieux. Ouais, bon, j'ai que la force pour la Twingo, mais t'inquiète. La Twingo, elle fera le taf. Allez, let's go. Bon, après, c'est une voiture de merde là qu'on va acheter, mais ça fera le taf. Ouf. Allez, let's go. Putain, je me demande combien d'appart on peut avoir. Si, genre, on peut acheter tous les apparts. Tous les apparts de quête ou s'il faut en choisir un, genre en plus de celui que t'as de base. Vraie question, hein. Vraie question, hein. Ouf, drift. Là voilà. Je crois que c'est la même voiture que ce. Que quand t'es nomade. Genre c'est exactement la même, mais du coup. Allez. À moi. À moi la voiture dégueulasse. Oula oula, calmez-vous. Calmez-vous la musique là. Carte. Où est-ce qu'on peut aller maintenant? Plutôt quête en vrai. Non, en vrai, on va explorer un peu. Genre là, recherche et récupération, on va faire ça. Change-moi cette musique, c'est horrible. C'est ok. Ça fera le taf. Oh, allez, tout rouiller la caisse, c'est une catastrophe. Mais bon, au grand mot, les grands remèdes, hein. Faut qu'on prenne ce qu'on peut. On aura le temps d'avoir des meilleurs bolides plus tard. J'aurais pu aussi très bien attendre pour que ma caisse soit réparée, mais flemme, énorme flemmasse. Aïe, j'ai mal. Je bois trop matinal, j'ai mal. Bon, attends une seconde, ça je reconnais ça. Ça je reconnais. Salut Johnny. Hey, regarde ça. Tiens. Eh, hey, vise un peu ça. Le soleil. Tu le vois aussi, non? Soit mes fusibles ont grillé, soit je vis un moment mystique. Comment elle s'appelle? Tu sais, la nana avec les cheveux. Mystique aussi. Mystique. Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. Interesting. Donc il y a des cartes de tarot, hein, mais évidemment c'est des collectibles à ramasser sur toute la map. Elles sont ultra stylées les artworks. Je sais plus trop ce que ça donne, je sais qu'en tout cas on peut encore une fois pas toutes les avoir en une seule game. Parce que t'en as genre une ou deux je crois qui... Oh, le NCPD il est où là? Ah c'est là, ok. Juste à côté. Parce que t'en as dans un certain ending du jeu, l'autre dans un autre, c'est une catastrophe. C'est quoi? C'est la police ça? Non, c'est des vandales. Oui, touille. Bah voilà. On a réglé les problèmes du NCPD. Oh, c'est de la drogue ça, monsieur. Vous avez pas le droit. C'est très illégal tout ça. Oh, tu lootes. Oh là, ça veut ça jouer illégalité, mais non. Pas sous mon toit. Sous mon toit, je suis littéralement dehors. Mais c'est pas grave. Allez, let's go. Bouge-toi de là, le camion. Fous-moi la paix. Bon, attention aux PNJ, ils ont tendance à fortement se foutre sous les roues. Hein. Ils ont une sale tendance à le faire. Hein. Ah, je me souviens que la voiture la plus chère du jeu, elle coûte vraiment une sacrée blinde. Genre, c'est abusé. Alors... J'ai localisé des médocs volés. Quelqu'un les a planqués dans un appart à Kabuki. Va les chercher, mais sois prudente. J'ai aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Oh, t'inquiète, c'est free. Si tu les récupères, je connais quelques charcuts qui te remercieront abondamment. Plus de détails en pièces jointes. Pat, où on gère ça? On gère ça. Bon, on sauvegarde quand même, parce que faut pas déconner. Guerre se prépare. C'est pour bientôt du temps, c'est hurlement la nuit. Où est-ce que j'ai... On dirait un animal à l'agonie. Waouh!
Mais il est malade lui. Malade. Ah, ça essaie de prendre la police alors qu'il y a des gangs qui sont dans le coin. Il est malade lui. T'es un malade Bernard. Oh oui, c'est parti. On va hacker la machine pour l'argent. Alors, est-ce qu'on peut faire un 4 à la suite Bah pas du tout. On peut faire un C, un C, BD et c'est tout. Un C, un C. Voilà. Hop là. Ah non, c'est par là que je dois aller. Oh bah j'avais bien fait d'améliorer ma capacité technique moi. Faire un ping là. Oh j'ai pas assez. Comment ça j'ai pas assez bloqué? Comment ça je suis bloqué? Très étrange. Hein. Je sais pas pourquoi je suis bloqué mais je suis bloqué. Oh y'a un éclat là. Là y'a une pub très très malsaine. Hop là. Encore un appartement miteux là. Trop faible, bouh, qu'est-ce qui est trop faible? Comment ça je suis trop faible? Comment ça je suis trop faible? Juste parce que j'arrive pas à pirater que je suis trop faible. J'admets que c'est ridicule mais quand même. J'admets que c'est quand même ridicule. Alors... Bon alors c'est super cool depuis tout à l'heure, je suis accroupi là mais y a personne là. Y'a R. Personne? Mais bon Dieu. Ah ok par là. Y'a toujours personne mais what the fuck. C'est vraiment juste entrer dans un bat, chercher les médocs et c'est fini. Je comprends plus rien. Oui, y'a du loot là. Stop. Oula. Non, c'est pas vrai. Ouais, alors attends, ça se trouve, il voulait me parler. Oh merde. Ah, j'ai ouvert la porte, je lui ai mis un coup de katana directement dans les chicots, le bug, hein. Aïe. Désolé. Bon, on y retourne. Je comprends pas, Joe. Tant ces hurlements la nuit. Ah, faut que je refasse le truc de piratage rapide, bon, ça ira vite. Toi t'es bloqué. Ça va. Est-ce qu'on peut? Pourquoi j'ai une batteuse? Je sais pas. Bon. 55, E9, E9, 1C. 5, E9. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, flemme de looter tout ce qu'il y a autour, hein. c'est pas super important non plus. Hein. Quand même looter ce qu'il y a là-bas parce que ça m'intéresse. Bon, finalement, je dis que je lootais pas, mais je loote. Oh, je me déteste, hein, ça va. On a compris. Hein. Comprenez à force. Hein. Comprenez à force que je suis très contradictoire dans tout ce que je fais. Bon. On refait pas les mêmes conneries. Ok. Ça va. Et toi, doucement avec cette gâchette. Comment tu m'as retrouvé? C'est un fixeur qui m'envoie. Le fixeur m'a confié ce contrat. Ça n'a rien de personnel. Je prends les médocs volés et je repars. Volé? Le baloperidol fonctionne pas. Alors c'est qui le vrai voleur, hein? Oh. Les charcutocs. Ce sont eux les vrais criminels. Un justicier de Médos. Le baloperidol? Contre la cyberpsychose. Ah, je suis pas fou. Du calme. Ferme-la. Oula, calme-toi. Va-t'en. Qu'est-ce que je pourrais faire là? Bon. Vite, si tu fais le malin, j'appelle la police. Maintenant, t'as deux solutions. Soit tu me rends ce que t'as volé. Soit j'envoie la Max Tac frapper à ta porte. Comment tu peux bosser pour eux? Vendu de merde. Bon, j'aurais essayé. Allez, Nick. Nick. Viens là. Voilà. Allez, hop là. Merci. Bon, il est encore en vie, ça va.
Ça, ça va. Où est la mallette? Là. Merci beaucoup. Oui, bon, je suis sûr qu'on peut l'aider et tout, mais bon. Hein? Il m'a saoulé, hein. Il m'a saoulé, le toxico. Bon, c'est rondement mené, cette affaire. On a découpé un mec, hein. On a vu que le katana faisait très mal. Très très mal, même. Pour notre plus grand plaisir. Salut. Eh hey, c'est vrai ce qu'ils disent ? Le voilà. Hop, au point de dépôt. Oh, excuse-moi. vous inquiétez pas, il faut que je me concentre. Hein. J'adore quand tu cours avec le katana, on dirait l'Oni DVD. J'avoue, il y a un petit air. Mais le katana dans le jeu, il est si jouissif. Et c'est incroyable. Moi, c'est fait partie de mes armes préférées. Hein. Avec les fusils à pompe dans le jeu. Parce que ça fait toujours, ça régale toujours un gros fond. Et tu oblitères l'ennemi, c'est toujours un plaisir. Mais le katana, il est incroyable. Hein. Vrai ninja. En plus, avec la manette, j'avoue. Avec la manette, c'est un plaisir. Tu peux viser n'importe où et ça marche. C'est les mêmes mouvements. Exact. Trouille! 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 J'avoue, comme il tient le katana, je vois la référence. Oh ouais, ça c'est trop bien. Acheter. Pour 600$, tu peux avoir un flingue. Incroyable. Bon. Tiens. J'ai croisé Jackie le Mongol et il a pas voulu. Il a pas voulu me le donner, donc je lui ai cassé sa gueule. Merci V. T'inquiète. C'était pas simple, mais t'as géré ça comme une pro. Ah, bon, si elle le dit. Le contrat est clos. Parfait. Tu as géré ça comme une pro. Oui, 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 comme une pro. Je suis rentré, j'ai fait une menace qui a pas marché, je l'ai découpé. Bon, on va dire que c'est bon. C'est ridicule. Alors, lame. Est-ce que je peux améliorer un truc? Augmente l'armure lorsque vous déplacez en manière une lame. Parfait. Augmente la vitesse d'attaque, on va taper encore plus vite. Plaisir. Ah, faudrait que j'aille voir Wakako. Elle est où? Hop là. Maintenant que j'y pense, ouais. On a de la thune à récupérer. Parce qu'on a fait le taf avec Sandra Dorset au tout début du jeu. La meuf qui était à poil dans un bassin d'eau froide et qui était la corpo là qu'on a sauvée. Allez, bouge-toi de là. Oh. La voiture. Voiture de merde que je me tape. Pas oublier de tourner à droite, hein, bien évidemment. Et toujours sans clignotant, n'oubliez pas ça. Hein. Le mec, il crée des problèmes. Ah, c'est pas trop tôt. Ça fait un bail. J'avoue. Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes. Exact. Je suis sur la route. Vous vous êtes bien débrouillé. Ton ami et toi. Enfin, ex-ami, il est mort. Là, il est plus trop là pour récupérer sa prime, donc si je peux avoir sa prime, ça me ferait bien plaisir. Attends, il y avait un crime sur Teko là. Attends, il y a un crime là. Oh, ça va. Ça va, on va régler les problèmes autrement. Touille. Allez, viens là. Pouille. Arrêtez de braquer les gens, c'est pas bien. C'est pas bien, attention. Hein. Oh, je vais mourir, moi. Oh putain, la chaise en plastique qui me bloque. Oh, ça lag. Oh, je vais complètement mourir. À l'aide. Tout va bien. Bon. Hein. Bon, je sais que de... Oh, crime signalé. J'ai fait une bêtise. J'ai assassiné un être gentil. Ouh là là. Bon, t'arrives pas à me toucher, Michel? Moi j'arrive, hein. Ah, je suis toujours recherché par la police en tout cas. Oh là, les chaises et les motos qui bloquent tout, ça rend fou. Oh là, madame, vous êtes plus trop humaine, hein. Mais j'avoue que ce coup de fusil à pompe n'était peut-être pas nécessaire du coup. Hop, je prends ça. Voilà, on a fait le travail de la police.
Bon, travail de la police. Il est vrai que la police, elle marche pas dans la rue, elle voit qu'il y a marqué crime et elle découvre tout le monde. Mais t'inquiète, ça fait le taf, ça fait le café. T'as quand même, hein. Elle a des pieds. Elle a plus de pieds en fait. Elle a plus de pieds, mais elle va super vite. Et elle est full chromée. Vrai délire. Oh là, l'argent. Oh, l'argent, ça loot. Oui, attends, mais en plus, on peut faire du piratage ici. Quel plaisir. Quel plaisir, le piratage. Oh, alors là, je peux peut-être faire un truc. BD 1C. Je peux faire 55 BD 1C 55. 55 BD 1C 55, ok. 55 BD 1C 55. Voilà. On gagne de l'argent. Oh! Cette icône là-bas, je connais. Hein. Et là, l'intégralité de mes potes vont dire c'est pas étonnant. Je vais leur dire ça va, quand même, respectez-moi. Bon, faut qu'on aille voir Wakako, nous. Je sais pas pourquoi je prends ma bagnole pour faire 2 mètres, mais c'est ok. Ah, mais je sais pourquoi je connais, oui. C'est parce que c'est Jig Street ici. Le domaine rempli de problèmes pour Twitch. Attention, faut pas regarder, hein, ça existe pas. Hein. Non, on en parle pas, ça existe pas. Toujours ça, hein. Est-ce que c'est le quartier des putes et des sex toys? Avec classe, Josh. Salut. Je viens pour le taf. Tiens, tiens, hello. Mais qui vois-je? V en personne dans mon humble petit salon. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Bonsoir, Dutch. C'est pas étonnant que tu connaisses le logo. Aïe, aïe, aïe. Écoute, il faut savoir vous invoquer. Hein. Je parie que personne connaît Westbrook aussi bien que toi. Mais Marie connaissait Westbrook. C'est vrai qu'elle a eu genre 1 million Ils de Marie. Ils étaient tous au placé chez les Tiger Claws. Ils régnaient sur Japantown. Ils faisaient quoi? Ce qui rapporte le plus d'édits et de pouvoir. Ils vendaient du sexe et de la tech au marché noir. Ah, c'est comme ça que ça marche, hein. T'as combien de maris déjà? Vraie question. Désolé, mais c'est plus fort que moi. T'as eu combien de maris, au juste? 5. Tous morts prématurément. Une vraie tragédie familiale. On a rien à foutre. T'as pas peur que la tragédie te frappe aussi? Je peux pas me permettre de mourir. Des fils, j'en ai 9. Ah! Putain, ça a taffé, hein. Je sais pas comment elle a fait pour survivre. S'occuper de 9 enfants, mon dieu. C'est énorme. On a et là, je repense à toutes les émissions avec les familles de genre 20 gosses. C'est un délire. Ils vivent en salle de classe. Oula, qu'est-ce voilà qui se passe ta récompense. Combien? J'y ai ajouté 3000. Un bonus plutôt généreux. Va voir un charcutoc. Tu pourras te faire poser un implant dermique pour la compatibilité avec les armes intelligentes. Ah oui, c'est vrai. C'est une spécialité des Tiger Claws. Sympa. Bon, allez. Je me casse. Oh, j'ai 5 messages. Au secours. Au secours, 5 messages. C'est encore pour me vendre des caisses? Non, ça va. Ça, c'est pour les quêtes. Mais fais gaffe au NCPD. Ils adorent filer des amendes. Tu m'étonnes. Ouais, parfait. Et quelle heure? Elle est 22h17, je vais déjà voir s'il n'y a pas du monde. Non, il n'y a personne. Il y a nobody. Oh, Discord qui explose. On va retourner sur Streamlabs là. Oh mon dieu, tout est planté. Non, c'est bon. Oh, Discord, c'était ralenti comme jamais. Je suis en mode ok, non, on va rien toucher. On va rien toucher, bon. Qu'est-ce que c'est que ça à côté? Mission secondaire. Il fait quoi de beau le Dutch? Aucune idée. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il est rentré du boulot et qu'il a dit qu'il est arrivé pour niquer ma race, mais finalement non. Jamais venu. Oh. Écoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique? Bah, il est nul, hein. Pathétique. Il arrive à peine à tenir sa gratte. Même sans être musicienne, je sais que c'est de la merde. Wouah, une critique est née. Kulos, Chumba. C'est pas si mal. On sent qu'il y a un truc qui le fait souffrir, ça ressort dans sa zik. Il a aucune présence scénique,
Un doigté déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps, mais... Ah, il est pas mal. La vache, les compliments, c'est pas ton fort. T'as commencé pareil? En zikose de rue, avec des rêves de grandeur? Tu rigoles. J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Ouais, ouais, ouais. Ce que dit ce loser. Être une star, ça peut servir. Pour ouvrir les yeux des gens, faut déjà qu'ils sachent que t'existes. Être une star, ça se paye. Si tes chansons crachent sur les gros labels corpo, qui voudra te signer? Mais si tu renies tes idéaux, il y aura plus assez d'édits dans le monde pour les racheter. Oh, la guitare, elle bug depuis tout à l'heure. Princesse. Au moins, t'as joué en public. Je l'ai vu dans tes souvenirs. Ouais. On jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On est en train de tirer son poulet dans son lit, dans le lit. Il y en a même qui ont enregistré nos concerts sans savoir qui on était. Nos enregistrements, ça pourrait valoir de la valeur. Hein. Je jouerais les fangirls. Donc, je pourrais mettre la main sur des vieux bootlegs de samouraï. C'est ça? Je vais les trouver et puis brailler comme une fangirl chaque fois que t'ouvriras la bouche. Ça te va? Essaye un peu pour voir. Ah, ça me régale. Sandek, tu crois que ces enregistrements existent toujours? Après toutes ces années? Le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. Bah, let's go. Johnny, j'ai l'impression que ton super endroit est devenu... Ah, le ramen shop. Un resto miteux. Le ramen tomboule. Encore une le fameux. Victoire du consumérisme aveugle. Un point pour l'équipe adverse, hein? Ah, mais là... C'est pour ça qu'il faut pas ramener les guerriers morts au combat. Tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils se sont battus pour rien. Interroger le personnel. Qu'est-ce qui t'est arrivé au Rainbow Cadenza? Salut. Le Rainbow Cadenza, ça vous dit quelque chose? Et allez, encore une. Oh, les pubs de derrière, c'est une catastrophe. Vous êtes pas un peu jeune pour ça. Pardon? Tous les jours, il y a des vieux en blouson de cuir qui se pointent pour demander où est passé leur club de has-been. Et moi, je leur répète comme un disque rayé que les corpons l'ont racheté il y a une vingtaine d'années. Je devrais mettre une pancarte. Alors qu'un live Roblox. Putain, ramène ton boule, ma meilleure création, j'avoue. Hein. Restaurant de nouilles. Hein. Et moi, c'était au petit ravioli, je m'en souviens. Samouraï. Ah! Cette horrible tête rouge sur fond noir. Comment là? Ça, cette horrible tête rouge, elle est trop stylée. Même moi, je connais. Il y a un vieux qui porte leur t-shirt. Il vient ici de temps en temps pour parler du passé avec des potes psychophanes. Vous sauriez pas où je pourrais le trouver par hasard? Cherchez-le dans les années 20, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est sinon, un petit comique lui, hein. Je vais casser les dents. Il est tout le temps au marché d'à côté. Ouais. Qu'est-ce qu'il vend? Bah, à votre avis, pas des fraises à la crème. Oh, le cynisme, ça m'énerve. Enfin, je vais te découper, Michel. Enregistrements moisis de vieux groupes indés moisis, dont personne n'a jamais entendu parler. Nova, merci. Tu portable. Salut. Contente. Hello. Vous avez Laz. Lars Pop? Qu'est-ce Salut, que c'est que cette merde? De la bonne musique. Vous avez de la laser pop? Ah, laser pop, d'accord. Oh, putain, ils auraient pu je mettre un. Je vends pas de scope, moi. Soit vous voulez de la vraie musique, soit de la merde fluo. Relax, Tume. C'était une blague. Laser pop? Ah! Oh là là. J'ai pas ce genre de boost dans mes bacs, moi. Oh, l'Amérique! Bon, sinon, I need samouraï. Pareil qu'on peut trouver de la bonne zik ici? Eh ben. Ça dépend de ce que vous entendez par bonne. J'ai du cartésien dualiste, du Eurodyne, du Tensei d'Overlord. Et du samouraï? Bon, y en a un mais peu partout, c'est quoi quoi. Cette question? Never fade away. Dancing with my axe. Chipping in.
J'ai absolument tout. Chiale. Silverhand était le seul vrai messie du rock. Je distribuerais leurs albums gratos si je pouvais. Mais faut bien manger. Faut bien manger. C'est un vrai fan, hein. Waouh, je suis tombé sur le plus gros fan de Silverhand, je vois. Et fier de l'être. Les rockers bidons d'aujourd'hui font pitié. Silverhand avait un truc en plus, dont les autres peuvent que rêver. Une main en argent? Le feu, gamine. Le feu en argent. Il a ébranlé les fondations du monde corpo. Et il est mort pour ses idéaux. Et son léger côté terroriste, ça vous gêne pas? Blaze way down the rebel pass. Oh, le glacier, pardon, pardon. Cherche du vrai collector. Genre, des bootlegs, des premiers concerts de samouraï. Des premiers... Vous réalisez ce que vous demandez? Bah, c'est rien. Comme si... Comme c'est si de la c'était musique. Rien. C'est Je ne sais music. Pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Je les donne pas à n'importe quelle pommarde. Putain, pommard. C'est pas du baratin. J'ai tout ce qu'il y a à savoir sur Silverhand. Il est dans ma tête. Allez-y, épatez-moi. Je sais ce qu'il a dit à Kerry la dernière fois qu'ils se sont vus. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Alors oublie le retrouve-toi en enfer. Moi aussi, hein. Je peux leur inventer des conversations privées. Ça va? Sans témoin. Je dérange pas. Je sais ce qu'ils disent sur Johnny chez Arasaka. Est-ce que n'importe quel pommarde saurait ce qu'ils disent au nouveau chez Arasaka? On leur dit que s'ils respectent pas leur deadline, le fantôme d'un mec coupé en deux leur fera la peau. Par contre, personne se souvient que le fantôme, c'est Johnny. Ok, je suis impressionné. C'est fort d'avoir fait parler un employé d'Arasaka. Ah, j'en étais. Alors, sérieux? Vous êtes vraiment une fan de Silverhand? J'ai pas le choix, on va dire. Quand les autres gosses apprenaient déjà Chrome Crayons, je connaissais déjà Chippin' In par cœur. Ah, bien dit. J'en aurais presque les larmes aux yeux. Hey, je vous aime bien. C'est l'Amérique ici. Et puis bon, faut éduquer la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Allez-y, faites-vous plaisir. Allez-y quoi? Oh, let's go. Bah du coup, ça c'est gratuit, j'imagine. Voilà. Oh, ils vendent des vêtements et tout. Ils ont des aviateurs. T-shirt des années 2020 de samouraï. Il coûte 6000. Oh, j'achète. C'est quoi ça, Mediator? On s'en bat les couilles. On s'en contrebat les couilles. Hein. Merci, c'est sympa. Prenez-le. Prêchez la bonne parole de Silverhand. Mort au corpo. Il est là-bas, lui. Alors, Johnny, tu l'aimes bien, le Boog? Tu sais... Attends, on va déjà mettre son t-shirt, hein. Ah non, mais le t-shirt, ça voudrait dire que... Oh. Bon, on va le mettre. Et on dit que le temps est le meilleur des profs. Je l'ai cru pendant longtemps. Mais regarde ce type. Il a au moins 60 balais et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer? Il en a rien à foutre, oui. J'ai réduit la tour Arasaka en cendres, mais elle est toujours là, comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'ils changent, et qu'ils changent le monde. Il y a forcément eu quelques changements, bon, c'est quand même une bombe nucléaire, frérot, ça s'oublie pas. Hein. Ça fait 60 ans, il y a forcément eu du changement. Ouais, au niveau des apparences. De nouvelles interfaces... De nouveaux sirotscopes avec des goûts fruités, originaux. Un nouveau visage pour Arasaka. Nouvel emballage, même merde. On le voit peut-être Je pas. Je serai bien mais... emballé, j'espère au moins la merde. Les bons cax. Qui changent quand même. Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de bidoche criblé d'un plan d'occasion. Let's go. T'as comment il fume ses clopes alors qu'il est... C'est un hologramme. Un vrai génie. Il fume des fausses clopes. Bon. On va sauvegarder. Dans tous les cas, je vais faire une pause de 2 minutes. Et on va voir si... Je vais voir si les potes sont là. Je reviens dans...
dans 5 minutes du coup même pas, et soit on reprend Cyberpunk s'il y a personne, et sinon on va sur CSGO. Allez, à tout de suite. Zbouib. Bon, je suis de retour, et effectivement il y a personne, comme tu dis Omravis, il y a personne. Bon, après toi t'as vu par rapport au Discord de la chaîne qu'on n'utilise jamais, mais ça c'est une autre histoire. Mais ouais, donc du coup j'ai vu qu'il y a personne, donc on va continuer Cyberpunk, et puis au pire je recevrai un message Discord et il sera en mode pourquoi est-ce qu'il répond pas. Bah, parce que quand tu lances Streamlabs, moi j'ai aucune notification Discord. Mon téléphone il a plus de batterie, donc du coup il est mis à l'autre bout de la planète. Ok. Donc bon, j'ai même pas regardé Discord. Eh ben, t'es devin, ou alors t'es juste habitué à être ici. Je vois pas d'autres informations, Ravis. Hop là. Voilà. Bon bah du coup on va continuer à jouer au meilleur jeu de la planète. C'est pas le meilleur jeu, mais quel plaisir. Bon, qu'est-ce que je vais faire moi? Est-ce que je vais directement faire Judy, ou est-ce que je vais me faire chier? Je sais pas, on va voir, on va réfléchir. De toute façon, tout ça c'est danger très élevé, donc les zones là c'est pas pour maintenant. C'est clairement pas pour maintenant. Petit boulot du NCPD. Bah, il faut aller faire ça. Contente que tu puisses libérer. De quoi, moi? Quoi, ça vient, tous ces trucs. Secret professionnel. Oh là là, vous va, achetez ça, quelque chose? Non, parce que sinon vous me gênez là. Pff, ok, ça va. Jetez un œil. Ça va, si ça vous va. N'achetez rien, non. Si vous n'achetez rien, non. Oh, d'accord, c'est le meilleur magasin du jeu. Je comprends donc. Oh, le meilleur magasin de tout le jeu, quoi. Quel plaisir. Et maintenant, c'est l'heure de vérifier vraiment où est-ce que sont tous ces foutus bordel de merde de composés. Ici. Oh, ça coûte que 1 euro. De mon temps, c'était plus comme ça. Hein. C'était pas comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont tout nerf, ça me casse les couilles. Ah, ils ont forcément tout nerf. Hein. Je suis au bout de ma life. Hein. Je suis complètement au bout du rôle. Hein. Attends, même ça, ça coûte que... Ah, j'ai envie de creux. Mais ils ont tout nerf. Attends, arrêtez de nerf le jeu, là, et améliorez-le, bande de merde. Ah, ça me rend ouf. Ça me casse les couilles. Putain. Madame, vous me gênez, là? Putain. Ils ont littéralement tout nerfé, je suis au bout de ma life, putain de merde. Qu'est-ce qu'elle veut, Wakako? Putain, elle me parle de sa caisse. Oh! Oh, la Fiat Punto! T'as la Fiat Panda, là. J'avoue que j'aurais bien aimé la prendre, mais bon. On a déjà pris celle-là, j'ai pas envie de me ruiner Axe. Pourquoi est-ce qu'elle m'attend le bout de la planète, cette putain de bagnole? Elle m'a klaxonné en mode... Moi, il y a quelqu'un dans la caisse. Attention! Voilà. Ah, j'ai dit de faire attention, hein. Oh, c'est ma voiture en face. Copieur. Attention. Hey, Tout va bien. Ouais, il va prendre ça personnellement si je commence à le buer, mais c'est pas grave. Attention, danger de la route. T'as quand même 1 million de kilomètres. C'est loin, hein. C'est juste 1 km, mais c'est quand même très loin. Il me klaxonne, ça va. La route c'est moi, hein. Comme disait... Je suis plus sérieux Sam, je sais plus du tout. Je crois que c'était Sylvester Stallone qui faisait sérieux Sam dans mes souvenirs. Si je me trompe pas. Oh, c'est beau, hein. Oh, Amber Heard, encore les mêmes blagues. Ouah, là par contre ça va être tendu, hein. Allez, on passe à droite, hein. Voilà. Prêt pour le Grand Prix de Tokyo, hein, je vous le dis. Oh, plus trop près. Tout va bien. Tout va bien. Là, c'est plutôt le Grand Prix de Mulhouse qu'on a fait, là.
Bon. On y go d'agneau. Faut que je rentre par où? Bonjour. Fanatique carrément. Night. Ah. C'est pas normal. D'accord, directement. Calmez-vous. La fessée. Oh, cette fessée dérouillée. C'est l'affaire. Moi, je suis juste passé devant elle, malade. T'as ma dernière. Je pars ici. C'est passé. Ouf, allez, descends, merci. Pied la cache. Y'a quelqu'un? Personne. Bah voilà. C'était rapide. Non mais je veux pas aller faire Automatic Love. Vous m'énervez. Je vais aller faire la saboteuse. Ouh le jazz. Un plaisir. Vous êtes des malades? Bon, c'est pas mon problème. Vous laissez la police gérer ça. Oui, il y a un petit boulot du NCPD là aussi. Là, il y a la police aussi. Attention. Bon, j'y vais. Bonne soirée. Bonne soirée, on me ravisse. Merci beaucoup d'être passé. Et je te dis à la prochaine. Quand tu le sens. Quand t'es dispo. V, je vais t'envoyer la bonne un certain malware, intentionnellement. C'est un démon de Bad. Le runner que tu vas aider. Tu vas devoir pirater le sous-réseau d'une méga tour et l'infecter avec les fichiers que je t'aurai envoyés. Ok, plus d'accord. D'infos en pièce jointe. Faisons ça. Salle des serveurs. Partir en cacahuète, cette affaire. Oula, 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 on va pas regarder ça. Hein. Putain, pas possible. Alors. Zone hostile, tu m'étonnes, bébé. Ok, il y en a quelques-uns là. C'est putain de serveur. C'est bizarre parce qu'on t'entend très bien, nous. Ok. Hein? Putain, il touche à rien. Toro était censé tout protéger, mais il a laissé ça comme ça. Ok, ça va, ça va. Je vois qu'il me voit encore derrière. Je comprends pas. Je suis invisible. Ok, pas besoin de gueuler. Pourquoi j'y toucherais? Je peux pas les distraire là-bas. Ça, ça marcherait, je pense. Oh putain, il s'est retourné le bâtard. Oh, fait chier. Bon allez, ça m'énerve. Viens là. Bon, bon, bon. Tiger, Tiger, rien du tout. Allez, ça dégage. Oui. Qu'il y a un pote derrière. Ah ouais. Pfff, ça découpe. Sec, hein. Bon allez, laissez-moi rentrer. Donc quel est le problème là? La caméra là? La caméra. Oh, attends. Nice. Salut. Et on installe le malware. Voilà. Oh, l'argent. Oh, excusez-moi. Oh, je me demande si ce serait pas le plan de l'année. Oh, attends. Déjà, on va faire ça. Vu personne.
Bon, on va voir si elle lui plaît ou pas. À Regina. Si jamais ça lui plaît pas, bah tant pis, hein, Nick. Hein. Si ça lui plaît pas qu'on ait découpé la nétroneuse, ben tant pis. Hein. Je crois que ça a eu peur en haut. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi là? Oui, chiche. Bad est content, donc je suis contente. Nice. Donc tu vas être payé et tout le monde sera content. Je mets fin au contrat. Parfait. Merci, V. De rien, fais plaisir. On gagne les niveaux. Alors, oh, j'ai gagné un petit niveau là. Est-ce qu'on mettrait pas ça en constitution là pour avoir plus de dinguerie là? Esquive ne compense pas, consomme pas d'endurance, pas mal. Quoi? Trinité ne consomme pas d'endurance, mais c'est trop bien ça. Ah, mais c'est du coup, c'est le niveau max, quasi qu'il faut 14. Go faire ça. On bat les couilles. Augmente votre endurance maximale. Oh, je prends ça, bon. Tiens, en haut, il y a un petit boulot d'NCPD à faire, là. Mais en haut, où? Salut. Il y a quelqu'un ici. Tu ne me verras pas. Tu m'as pas vu. Douille. Tu m'as jamais vu. Zone hostile. Adieu. Adieu. Oh, elle m'a vu elle aussi. Touille, touille. Dégage. Oh mon dieu. Un gros samouraï. Je vais couper la jambe. Dommage pour lui. Dommage. Merci pour ça. Qu'est-ce qui m'attaque là? Oh d'accord. Attention hein, c'est dangereux. Hein. C'est dangereux de se promener dans la rue la nuit. Hein. Attention. Faire attention quand même. Hein. C'est dangereux. Elle meurt pas. Attends, je loote. Oh, je vais attaquer, j'ai peur. Oh là là. J'ai peur, attention. Oh là là. Pouille. Voilà. C'est free win. Ce qu'on appelle un travail bien fait. J'ai gagné quoi? Protocole de piratage plus. Oh, et de belles voitures des Tiger Claw. Carte. Hop là, chasse à l'homme, parfait. Let's go, on va avoir une voiture qui va légèrement plus vite. Enfin, légèrement, elle va aller bien plus vite surtout. Et c'est un plaisir. C'est un pur plaisir. Ouais, alors attention quand même. Attention, on va. Bon, on est arrivé. On est arrivé au lieu de travail. Bon, apparemment, il semblerait qu'on soit tombé sur la dernière fliconnette de la ville. Non, Anna Hamill. Je sais pas sur quoi elle enquête, mais en tout cas, elle s'est fait pas mal d'ennemis. Il vaudrait mieux qu'elle lâche l'affaire, si tu vois ce que je veux dire. Ok, je comprends, c'est vraiment moyen et tout, mais faut bien que quelqu'un s'y colle, non? Et puis, faux. Je sais pas, il y a peut-être moyen d'engager le dialogue avec elle. Enfin bref, les infos sont en pièce jointe. Moi j'ai rien. Bon, on va sauvegarder ici. Avant d'éviter les bêtises. On va plutôt de faire les bêtises plus que d'éviter les bêtises. La prochaine livraison, c'est quand? Faut interroger des gens. C'est qu'on pourrait interroger là. Vous? Rien à foutre.
C'est quoi, ces crevettes pourries? Qu'est-ce que vous espérez? C'est Kabuki, pas North Hawk. Tu connais quoi, toi, à Kabuki, sale nomade? Hé, hey, me faites pas ça. Je vous ajoute une tablette désodorisante pour l'odeur. 15% de remise ou je n'achète pas. Putain. Et après, c'est les nomades qu'on traite de voleurs. Ok, ok, c'est d'accord. Elles sont fraîches, les crevettes. Elles sont fraîches, les crevettes? Elles arrivent tout juste du meilleur élevage de Night City. Un élevage? Vous pensez pas que ça vient de Pacifica, okay, quand même? L'océan, c'est une poubelle. Maladie assurée. Ouais, pas faux. Vous la connaissez, elle? Vous connaissez cette femme? Moi, je suis restauratrice, hein. Chacun son boulot. Okay, okay, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, lui, là, le nomade qui est parti où, là? Il est parti là. T'en sais un truc, toi? Ça doit pas être très sûr de transporter des marchandises dans Night City. T'as jamais d'ennui? Si tu veux que je te paye pour la protection, va chier! Takeshi s'en occupe déjà, le bazar est à lui. Excuse-moi d'être curieuse. Ouais, c'est ça. Bon, sinon tu la connais, la Jacqueline? Tu connais cette femme? La trentaine, un peu plus petite que toi. Il paraît qu'elle vient souvent par ici. Tout gros bide, là. Il y a pas mal de passages. Et des petits malins. Il y en a aussi beaucoup. Ouais, des petits malins aussi. Et ils sauraient reconnaître une flic. Bon, alors, tu la connais? V n'a aucune pitié. Ah, possible. Ça dépendra de... du montant de tes courses aujourd'hui. Oh, bâtard. Bon, allez. Tiens, à boule. Parle. Cette nana loue une chambre dans ce motel. C'est juste là. Dans mes souvenirs, si tu prends, si t'as pris le choix de nomade, genre bah, quand tu commences en tant que nomade, tu peux l'avoir gratuit l'info. Il me semble, dans mes souvenirs. Hey, t'aurais pas 100 balles pour moi? J'ai l'air d'une banque. Allez, fais un effort, j'ai pas de monnaie. Ça, c'est Sage. Ton problème, pas le mien. Sage. Sage, mon petit bonhomme. Attends. Y'a un truc à hacker là? J'suis pas fou. Quoi? Putain. Fallait payer, bordel de merde. Donc, on passe des techniques. Oh là! OMG! Putain, c'est rentable. C'est rentable, mode of cool. Bon, faudrait que je pense aussi à aller me faire des modifications physiques. Peut-être que je pourrais avoir des trucs intéressants. Alors, un CBD. Attends. Un CBD E9 1C. Un C. Attends. Un CBD E9. Faut que je trouve un CBD E9. Mais je crois pas que c'est possible en fait à cause de la putain de grille de merde. Alors attends. Un CBD. Ah non, un CBD E9. Ok, c'est bon. Un C, BD, E9, un C. Voilà. Bon. On a looté pas mal de trucs, faut que je regarde un peu ce que j'ai looté. Est-ce que j'ai looté une arme intéressante? Oh, attends, j'ai looté un fusil à pompe. Ou alors, c'est celui que j'ai depuis toujours. Celui que j'ai depuis toujours, dommage. Bon, il y a lui, mais il est nul. Lui, il me régale, il me fait trop rire. Intéressant. Ouf, on a une sacrée gueule comme ça. C'est pas très beau, mais ça fera le taf. Oh, et ça, ça a le même atténuation de dégâts. Hmm. Intéressant. Pour l'instant, je vais garder ça. Pantalon. Question de temps de recharge rapide. Prendre ça et les bottes. Oh, celle-là c'est mieux. Nice. Voilà, on ressemble à que dalle, mais c'est faire. Mais c'est nice. Bon, à partir en cacahuète, moi je le sens fort. Hein. Non, pas acquis. Tout va bien. Tout.
va dans le mieux. Tout va pour le mieux, dans le mieux. C'est moi, ça va reparler le France. Attends, je loot. Merci. Stop. Oula, oula, ça va. Ça va, ça va. On qui est là. Qui a lancé ce contrat? Je veux son nom. Anna, laissez tomber cette enquête. Ça vaudrait mieux pour vous. C'est une menace? Je vous rappelle que c'est moi qui braque une arme. Je vous rappelle que je suis le héros de cette histoire. Hé, hey, du calme. Je veux juste vous aider. M'aider? Mon implant audio doit déconner. Vous voulez dire m'intimider? Laissez tomber votre enquête, c'est tout. Vous avez énervé des gens importants. Quels gens? Donnez-moi leur nom, bordel! Vos potes du NCPD, ils vous ont tendu un piège. Merde. Putain, je le savais. Robert Kowalski et Bill Adams? Peut-être. Les enculés! Laissez tomber, ça en vaut pas la peine. Ouais. Vous savez quoi? Je vais pas me laisser tuer par ces ordures. Je les emmerde. Eux, ce boulot et cette putain de ville. Merci, Anna. Merci. Tout est bien qui finit bien. Arrêtez vos conneries. Vous croyez que vous êtes différente des salauds qui vous ont envoyé? Vous avez ce que vous vouliez, alors tirez-vous! Je peux pas looter là? Tu m'en veux pas, hein? Je pense pas qu'elle m'en veuille. Tout a été dit. Adieu. Oh, moi j'ai fait mon taf, hein, c'est bon. Tant que j'ai pas de problème et que je suis payé, let's go. Let's go, let's go. Eh, eh, on pousse pas, il y en aura pour tout le monde. C'est tout nouveau, tout droit sorti de l'usine. Mais t'es toute seule, ma grande. Récupéré à la source dans le convoi d'hier. Mais complètement sous kétamine, celle-là. Mon dieu. Et que quelqu'un l'aide. Tu pues le fast-food. Bon, ça c'est fait. T'es doué pour baratiner, hein. Heureuse que tout soit réglé. Je clôture le contrat. Nice. Qu'est-ce que je vais faire moi, carte? From the Hill, non. Héros, pas tout de suite. Mise au point, quelle envie. Ah, il faut qu'on aille voir un charcutoc, c'est vrai. Ah, elle coûte plus cher que ma voiture, quoi, c'est un délire. Ah ouais, on peut avoir tous ces apparts là, mais du coup je sais pas si si on peut tous les avoir, quoi, ça c'est la vraie question. Aucune idée, dans tous les cas c'est cool. Dans tous les cas c'est très cool. Ça fait plaisir. Oh, cyberpsycho. Interesting. Vraiment très intéressant cette affaire. Qu'est-ce que vous pourriez trouver? C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, j'avais oublié. J'avais totalement oublié. Juste une petite, un petit message parce qu'apparemment il y aura peut-être du CS, on va voir. On va voir, on va voir. Bon, déjà j'ai reçu 15 000 messages. Ouvrir le message collectif Vartmos. Version encore pour prendre un fin, on s'en bat les couilles ça. Elle, c'est toutes ces quêtes là. Ouais, le hôtel motel du coup. C'est pas le hôtel motel, mais c'est juste le motel quoi. Bon allez, on va voir ce que c'est que cette quête secondaire là, dont on n'a pas d'infos. Oh, ça hurle! Calmez-vous, attendez. Ça me régale ça. Truc de junkie là, c'est un plaisir. Hein.
Attention! Oh, je l'ai frôlé une femme, mais tout bien. Elle est morte pour la patrie. Oh, c'est en haut. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Et comment je rejoins cet étage? Vraie question. Bonjour. Allez, bougez-vous de là. La route, c'est moi. Ça, j'ai écrasé quelqu'un, c'est pas bien grave. C'est horrible. D'accord, juste à rentrer dans l'ascenseur. Bah, rentrons. Hein. Eh, mais je crois que c'est mon appart, ça. Ça a l'air d'être grandement mon appart, quand même. Oh, Takemura. Fais, je peux te parler? C'est important. Vas-y, important balance. Important comment? J'ai peut-être trouvé une solution à notre problème commun. J'ai réussi à contacter un de mes vieux amis chez Arasaka. Il est un maître hostile en ce moment. Et il est en relation avec certaines personnes influentes. Pourquoi ce mystère? Dis-moi tout. Un vieil ami en relation avec des gens influents. Pourquoi autant de mystères? Dis-moi tout. Je t'ai dit que j'explorerai les options et que je frapperai à plusieurs portes. Désolé, je peux vraiment pas. Nous nous rencontrerons. Toi, moi et l'ami dont je te parle. Tu lui raconteras ce que tu m'as dit. La vérité sur les événements au Kumpeki Plaza. Il y a peu de chances qu'on arrive à le convaincre. Mais c'est un début. Et on peut lui faire confiance? Tu devrais savoir que Night City met à l'épreuve les relations de confiance, y compris celles entre vieux amis. Ce type, tu lui fais confiance? Nous avons eu de nombreuses occasions de nous entretuer. Oui, je lui fais confiance. On se retrouve. D'accord. Où et quand a lieu le rendez-vous? Japantown. Après le coucher du soleil. Je t'envoie les coordonnées exactes. On se retrouve là-bas. Ok. Intéressant. Avant toute chose, moi c'est ici que ça m'intéresse. Ah oui, ok, c'est bon, je vois, c'est Barry, toi qui m'inquiète. On sait que t'es là. On voudrait t'aider. Vous avez même pas de mandat. Oh, j'ai jamais vu le loyer payé là, OMG. On est ici en tant que collègue. T'as pas donné de nouvelles depuis longtemps, alors on s'inquiète. Ok, super. Maintenant, cassez-vous. Mendez, t'es vraiment le roi des cons. Quoi, c'est moi le méchant? C'est pas moi qui suis enfermé chez moi pour attirer l'attention. Il a perdu un ami à lui, faut le comprendre. Pas le premier ni le dernier, c'est la vie, quoi. D'accord. Salut. Je peux vous parler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'habite au-dessus. J'habite au-dessus. Bah, retourne là-haut et mêle-toi de tes oignons. Oh, tu veux que je te casse la gueule, le flic? Mendez, attends, c'est une voisine. Bon, est-ce que je peux faire quelque chose? Peut-être. Est-ce que vous connaissez Barry? Vite fait. On a discuté une fois ou deux. C'était un collègue à nous. Il a quitté la police il y a pas longtemps. Il a craqué après la mort de son meilleur ami et on a peur qu'il fasse une bêtise. Détends-toi, Petrova. Il a des nerfs d'acier, Barry. C'est juste une vieille tank. Mendez! Vous pourriez aller le voir une fois qu'il sera calmé? Qu'un souci, hein. Ouais, pourquoi pas. Je suis juste à côté. Merci et soyez patiente avec lui. Les anciens flics sont du genre susceptibles. Je verrai ce que je peux faire. Bon, on va parler à Jackie. Frérot. Hé, hey, Barry, ça va? Vous allez bien? Ah merde, c'est après quelques heures, bon. J'aurais peut-être dû dire oui. 4 heures, voilà, c'est parfait. Oh, c'est trop stylé ça. Barry? C'est bien ça, non? Qui c'est? C'est moi. C'est V, la voisine du dessus. Vous vous souvenez? On avait parlé bagnole. Vous avez dit que vous aimiez la Mizutani Shion. Et moi, j'ai dit que c'était une caisse de primeur. Ouais. C'est pas le genre de truc qui s'oublie. Hein. Ouais. Vous auriez vu votre tête. J'ai eu envie de me tirer en courant dans les Badlands. Je m'en souviens, ouais. Oh, t'as une sacrée vous tête, toi. Non, mais souviens, t'étais pas comme ça, t'étais 20 fois plus stock.
Jacob nous doit s'habituer au deuil. J'avais juste envie de discuter. Je suis venu pour discuter. Vous avez besoin de parler, même si vous voulez pas l'admettre. Je peux pas changer le passé, mais je peux vous écouter. Et vous rappeler que vous êtes pas seul. Attendez, deux secondes. On se connaît à peine, et vous, vous frappez à ma porte pour me parler de mes problèmes ? Oh, j'ai croisé des collègues. Qui vous fait croire que j'ai des problèmes ? Vous me surveillez ? Qui vous a dit de venir ? Vos amis... Ok, d'accord. Vos amis m'ont demandé de passer vous voir, alors je me suis dit pourquoi pas. C'est un type bien, même s'il a des coups de chiottes en matière de bagnole. C'est quoi ça ? Vous voulez mon pied au cul ? Pourquoi pas ? Vous savez remonter le moral aux gens, vous. Peut-être que ces deux cons s'inquiètent vraiment pour moi. Je peux rentrer ? Ok, entrez. Vous voulez qu'on parle ? On va parler. Non, je veux looter. C'est quoi, ok ? Ce faux, c'est dégueulasse, mais bon... J'ai perdu un proche, moi aussi, il y a pas longtemps. Et j'en ai gagné à nouveau. Pote. Comment ça, moi aussi ? Attendez, c'est à cause d'Andrew ? Il vous en parlait de lui. C'était mon meilleur ami. Je le connaissais depuis tout petit. C'était le seul à qui je pouvais parler sans être jugé. Le NCPD, ça va pas en s'améliorant, pas vrai ? Une fois, un Maelstromer a descendu un gamin sous mes yeux. Comme ça, juste pour se marrer. J'ai rien pu faire. Cet enfoiré avait une immunité corpo. Il y avait dans le monde. Saloperie. Le capitaine a reçu un don anonyme, et vous devinez la suite. D'après le rapport, le gamin s'est tiré dessus tout seul. Oh, ça l'affaire. Juste sous vos yeux. Je suis mort à l'intérieur depuis ce jour-là. J'arrivais plus à rien. Et quelques mois plus tard, quand Andrew est mort, c'est parti en vrille. Vos amis de police. Vous confiez à personne au commissariat ? Enfin, vos amis. À Petrova ou Mendez ? Petrova est un bon flic, mais elle sait pas s'y prendre. Et Mendez, il pige rien. Il pense qu'on doit régler nos problèmes tout seul. Si tu supportes pas de voir un gamin se faire buter, c'est des mouches, c'est une dégueulasse. C'est ça qui dit. Mais vous lui avez parlé d'Andrew. Honnêtement, j'ai pas mal hésité. Et puis, ils savent pas tout. C'est mieux comme ça. Andrew est mort de quoi ? Et Andrew, il est mort comment ? Qu'est-ce que ça peut faire ? De vieillesse. C'est pas surprenant. Il était à peine plus jeune que ma grand-mère. De vieillesse ? À Night City ? Faudrait lui dresser un monument. Tout le monde viendrait voir ça. Une urne dans une niche, c'est bien suffisant. Donc pour vous, Andrew était plus un grand-père qu'un ami. Oh, j'irai pas jusque-là. Il était comme... Oh, je sais pas... Une fenêtre sur le passé. Une fenêtre, comme ça. Il me rappelait mes grands-parents. Nos discussions. Un temps où chaque chose avait sa place. Il était le dernier souvenir vivant de cette époque. On a tous nos limites, hein. Mendez, il connaît rien à la vie. On a tous nos limites, même lui. C'est juste que lui, il les a pas encore atteintes. Et s'il avait raison ? Peut-être que je suis faible, finalement. Oh, la victime, mais non, ferme ta gueule, t'es pas faible. Si vous aviez rien ressenti à sa mort, alors sa vie aurait eu aucun sens. Ouais, peut-être. Merci, V, je vais avoir besoin de temps pour digérer tout ça. Pas de soucis. Ça marche. À plus tard. Oh, attends, c'est un scandale, là, ce qu'il a au pied, là. Des sandales pas fermées, là. Voilà, plus. On ira parler à ses collègues un peu plus tard. Hein. On ira d'abord faire le truc facultatif. Bon, en attendant, on va faire ça, on va sauvegarder. Et en fonction d'une réponse à un message que j'ai envoyé sur Discord, soit on arrête là, soit on joue. Ok. Bon, ça va partir sur un petit CSGO. Une petite game avant d'aller se coucher. On va sauvegarder, on peut se casser. Oh, je vais me prendre un 15-0 dans la gueule là parce que j'ai la tête dans le fion. Ça va être un plaisir.
Allez, quitter le jeu. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le Jackie, hein, et on est bon.